Nous jeudi à mardi 2 avril, nous jeudi à mardi 3 avril 2018. Bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carte pour nous capables pour deuxième sortie téléjournal pour semaine si là. On a souhaité tout le monde passer une excellente journée de mardi. Mes principales points capables pour faire essentiel le journal là pour maintenir pour nous fois qu'on a ministère communication recevoir hier lundi 2 avril là, secrétaire d'État finance Ronald Gré décembre avec directeur général DGIA Mira de Molin sous processus de paiement avec déclaration en ligne. Tout le monde n'est pas exploité bien l'État qui paye un papier légal, il y a une prolongation jusqu'à 30 avril pour régulariser que sous question droit à faire marge avec un colocatif dans le DGI. Directeur général impôt Miranda Mort l'a fait annoncer toujours à hier lundi 2 avril. Coordination alternative ban en tête collée avec groupe Action francophone pour environnement lancé hier lundi en 4e édition Village Alternative, une activité qui a déroulé 6 à 7 avril qui a venu là dans la commune chaque dans Bassinzine. Et dans l'actualité internationale là, n'a pas gain pour informer pour nous fort qu'un président sud-africain et plusieurs ministres rend hommage à l'ancien madame Nelson Mandela, Winnie Mandela après annonce la moli hier lundi à une funéraille national à fête 14 avril qui a venu là après cérémonie 11 avril là. Ensemble pour savoir quand il y a un peu essentiel le journal là pour matin mardi 3 avril 2018 là. Restez branchés là pour tenir dans quelques secondes temps pour pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans le développement information. Et j'ai qu'une annoncé dans différents titres pour nous faire connaître dans le cadre de la 37e conférence le lundi de la presse qui déroule dans le ministère de la communication. Vous recevoir le lundi 2 avril la secrétaire d'État finance Ronald Gré décembre avec le directeur général impôt Mihaly Morlan. Nous occasion intervenant pour parler sur le processus de paiement avec la déclaration en ligne. Compte rendu par Charles Saint-Fouac, Laure Dalizou-Jacques. Service pour faire déclaration et puis payer en ligne disponible à partir de ça www.dgi.gouv.ht. D'après responsable direction générale impôts, service est valable pour monde et entreprise. D'après secrétaire d'État financement Ronald Décembre, opération est arrivée possible grâce à un accord tripartite Banque République d'Haïti BRH signé à diverses banques commerciales tant que BNC, Soge Bank, Unibank, Capital Bank et ministère économie et finance. Wap entrée sur DGI, www.dgi.gouv.ht, ou connecté à système DGIA ou rempli formulaire d'impôt que vous voulez remplir. Si c'est déclaration définitive d'impôt à remplir, vous montez sur formulaire déclaration définitive d'impôt. Si c'est patente à payer, vous montez sur page qui est liée à patente. Si c'est taxe salariale, si c'est impôt sur bénéfice, si c'est prélèvement à la source, eh bien, toute possibilité ça yo offrir à contribuable là pour le capable de faire paiement en ligne. Mais pour paiement ça a fait, faut contribuable là capable grand banque côté que le grand compte la donne le fin rentrer rempli formulaire là, eh bien li téléporter formulaire là sous banque côté que le compte que le cap payer. Le fin voyer formulaire sous banque là recevoir formulaire là et puis banque là fait un spill voyer par BRH. BRH accusé montant alors forme de contribuable ça bité et puis la crédité contre trésor public pour montant impôt contre trésor public crédité yo retourné par contribuable là yon forme d'encaissement qui dit que contribuable ça il paye impôt. Nous-mêmes DGI, nous avons un souci pour nous capables toujours offrir des services à de une transaction qu'on va le faire dans douane, il faut vous gagner un broker. Côté que vous mettez à disposition pour faire qui pour aider au rempli et DGI tout, faut que nous gagnions monde qui est agence qui agréé et que nous il faut passer par la DGI quand même pour nous capable bay moun sou accès dans système nan. Directeur technologie direction générale impôt Serge Rosenthal explique responsable DGI a déjà commencé travail pour offrir contribuable yo yon série service additionnel à partir téléphone. Nous pral gagner de on nouvelle et génération qui pral venir très bientôt qui pral venir avec une série de l'autre une série de l'autre service additionnel. OK, parmi lesquels nous pourrons gagner
possibilité pour nous joindre certificat de patente et de quitus directement à partir de nouvelles plateformes ça. Nous pourrons être capables de faire des paiements à travers le téléphone nous, d'accord? Donc si par exemple nous gagnons et nous besoin on paye un certificat de bonne vie et mœurs ou bien nous besoin payer un thème passeport, nous pas obligé venir dans DGI hein, et je nous connais un pile monde qui pas gain accès à internet tout parce que ça son plateforme qui disponible directement sur internet, mais DGI dans un souci pour le bail tout contribuable service libéral mettre de service pour monde qui peut-être qui pas même gagner qui n'a pas une capacité pour aller sur plateforme ça. Directeur général impôt a fait qu'on est à travail pour moderniser système là et puis améliorer qualité service à offrir population. Nouvelle disposition ça vise réduire attroupement dans bureau de GIO et puis porter service là plus près population. Merci à la collaboratrice Rachel Saint-Fort et Bilouard Jean-Jacques qui t'a présenté nos contre-rendu ici là. L'autre information dans le journal là, directeur général impôt Amirade Morlan a annoncé une prolongation jusqu'à 30 avril comme délai pour question droit fermage avec impôt locatif là. Amirade Morlan a invité tout le monde qui pas en règle à régler cause pour pas tomber bas sans la loi. Il a invité tout le monde qui a exploité bien l'État qui pas de papier pas se légaliser pour qu'a enregistré dans système là. Il excède toujours le micro Rachel Saint-Fort avec le Rodani Jean-Jacques. M'a tout rappelé contribuable que nous te gagnons un délai pour question de droit de fermage et impôt locatif qui t'a prend fin le 31 mars. Toujours est-il dans quatre bonne foi direction générale là, nous décider pas en prolongation jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril, tout le monde qui est censé fermier de l'État, ou bien un monde qui n'est pas fermier de l'État, qui t'a même bien fermier de l'État, parce qu'on a déjà bien l'État dans le monde. Nous prenons le temps de parler sur et nous avons un spot publicitaire qui va parler de monde qui n'est pas payer, monde qui s'est fermier. Pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de payer DGI, et bien DGI a toute autorité pour le faire, pour le rapatrier bien ça en amont. Parce que nous ne pouvons pas exploiter bien l'État comme ça, et que nous connaissons l'État pour l'exister, c'est vous-même qui vous contribuez, et puis ou pas les payer l'État. Le ça, nous ne pouvons pas personne qui a dit non rien, et que la loi, avec la loi, nous ne sommes pas capables de vivre effectivement rapatrier bien l'État qui n'a pas encore pas payé pour l'IA. Et tout le monde qui a fonctionné en clandestinité, c'est-à-dire qui pas, et pas les gens connaît, nous allons le chercher. Nous allons chercher, depuis qu'on a nous avons une brigade qui est là, automatiquement nous jouons le monde. C'est maonage qui t'a fait, c'est évasion qui t'a fait. Et bien la loi dit comment pour nous capables de traiter avec nous. Pour qu'on ait à nous parler d'un parlement ici, pour une fois qu'on est député circonscription Forêt la Pierre Jude destiné à député circonscription Chambellan Jacques Guerrier, exprimer satisfaction yo après exécutif là qui installé membre comité pilotage là état généraux sectoriel là. Deux parlementaires ça yo et parler sur nécessité pour gain chita parler en toute petite nation pour capable river joindre en entente dans intérêt national. Député Guerrier avec député destiné tenir micro fait bien confident à Moïse Ulmich. Comité de pilotage des États généraux de la nation qui prend naissance mercredi dernier dans le palais national que le président Jovenel Moïse, ce chef d'État-nation, ça, le météo là, il va au mandat, il va en mission de travail pour 6 mois pour qu'il produire un travail. Côté, il va gagner un pacte capable de garantir stabilité politique, sociale, économique et culturelle dans le pays. Ça. Pour le travail, je pense que le président est supposé avoir l'agenda, il est supposé avoir le mandat. Ce n'est pas moi-même qui ai dit le mandat, la commission. Même ça, je connais que la commission est supposée utile pour avoir problème économique, problème social, problème culturel, problème politique dans le pays. Ça va permettre pour toute couche sociale, pour être capable de résoudre tout problème. C'est une belle initiative parce que nous avons un pile leader politique et qui a prôné depuis des années et idée ça. Mais nous connaissons un pile de monde qui vient, qui parle, il n'y a pas jamais fait action, mais au moins et nous avons un chef d'État qui prend décision et les lancer un comité pilotage des États généraux sectoriels. Et raison
nous disons que c'est un bon bagaille. Nous avons fait référence avec un pile d'autres pays qui vient de gagner trop de démocratie, la caillou, qui gagne gros économie. Et il y a toujours c'est une série de décisions comme ça qui te comprend. Et nous avons pris un exemple, et République Dominicaine qui est tout près de nous. N'a pas songé là récemment avant Balaguer, non songé dans qui état ces domaines payés, mais c'est eux qui te chita ensemble, ils te dit mais qui orientation y a bay pays yo. Et je dis non, même en tant que haïtien qui partage même il avec yo, nos témoins émergence, c'est parce que il y a un groupe d'hommes et femmes d'état qui chita dans différents secteurs, ils ont dit mais qui orientation y a bay République Dominicaine, et retombéant après une série de résultats positifs. Parti politique rassemblé pour sauver la caille parasol salué lundi 2 avril la décision du président de la République, là, Jovenel Moïse, avec chef gouvernement Jean-Guy Lafontaine, côté formé comité pilotage état sectoriel nation. Demain, ça, d'après président parasol, là, Yvon Bonhomme montrer voter chef italien pour capable de quimber pays à sous stabilité avec la paix. N'a pas vu suivi un extrait. Yvon Bonhomme, un ami Mildred Milias avec l'aurore d'Alison Jacques. Nous-mêmes, nous avons identifié des points qui marquaient nationalisme éclairé et avancé président Jovenel Moïse. Un, il rétablit nos monnaies nationales là. Ça, c'est acte nationaliste qui croit dans le pays, qui croit dans la devise, qui croit dans l'existence territoire, existence nous d'abord en tant que peuple. Deuxièmement, président Jovenel Moïse, aussi avec son premier ministre, il a rétabli l'armée d'Haïti, FADH, parce que gros état-major la MEA li rétabli. Donc président Jovenel Moïse comprend effectivement ou pas qu'à une nation son pas qu'à défendre territoire, son pas qu'à protéger peuple ou la caillou et toute grande économie qui existe yo. Donc nous ouais, yo tout gagné, yo l'armée derrière yo, les États-Unis, la France, Canada ou bien l'Europe, yo tout bon l'armée derrière yo. Donc soit regarder même ça qui a passé actuellement en Turquie, toute économie, il y a toujours l'armée derrière eux. Et pour nous faire route progrès, l'armée d'Haïti est inévitable. Et Jean-Président Jovenel, ensemble avec le ministre Jacques Guy Lafontaine, ont rétabli l'armée d'Haïti dans le service. Li. Et nous-mêmes, nous disons de bonne guerre, encore plus son l'armée qui va contribuer, aider des jeunes femmes, jeunes garçons, suspendre la partie qui est payée pour des raisons bien-être, mais pour aider le travail dans le service. Yo. Toujours dans ce qui concerne le dossier, si là, étudiant à l'Université d'État d'Haïti a salué décision, président de la République, là, Jovenel Moïse, prend pour mettre sous pied comité pilotage avec le secrétariat technique, organisation État généraux sectoriel. Étudiant salué dit souhaiter comité pilotage arriver, réunir tout secteur national là, pour capable poser problème yo, et puis jouer une bonne solution en façon pour capable aider le pays à développer. C'est quoi par qui avec Michel Joseph a présenté un reportage en ce moment. Étudiant Sayo cap étudié sciences politiques dans l'Institut national d'administration et gestion haute études INAGE salue démarche président républicain Jovenel Moïse l'a décidé former comité pilotage avec secrétariat technique organisation état généraux sectoriel là. Étudiant yo de notre côté souhaitait comité arriver remplir mission comme ça doit. C'est chita avec tout secteur clé en dans pays. C'est chita avec les associations des CASEC, magistrats, sociétés paysannes, etc., les partis politiques, pour essayer d'identifier ensemble des problèmes que le pays a fait face et venir avec des recommandations. Et si je dis à gouvernement place à prendre quelle mesure, quelle décision, pour la mettre sous place en place sur l'État généraux, donc ça c'est vraiment lourd, pour ça montre vraiment que des volontés pour capables de réformer le système. Et pour réformer le système dans tout, c'est à partir des idées, c'est à partir des conférences nationales pour capables de réformer le système. Non, ça montre que vous voulez porter un changement et au niveau politique, au niveau économique et social même en Haïti. Étudiants ont encouragé le comité pilotage là pour rencontrer tout secteur dans la vie nationale là, dans l'idée pour bailler pays à une autre orientation. Si tout le monde mettait des pieds ensemble, nous bannions complètement divergent dans tout secteur, pour nous sûr d'avoir une amélioration. Ça que nous avons souhaité pour le pays, c'est bannir totalement toute divergence qui n'est pas
mener nous à quelque part. Ce sont des choses tout à fait normal, vu avec des problèmes qu'on a confrontés dans la société de nos jours. Le fait que soit prendre des mesures pour répondre avec un ensemble de besoins, un ensemble de bagages de société à résoudre des problèmes, moi c'est que ça va être normal. Mais le problème qui se pose, c'est que et comment ça fait et qui suivi. Comité pilotage état généraux sectoriel là, gagne 6 mois pour produire et puis remettre le président de la République là, un pacte pour stabilité et progrès socio-économique pays d'Haïti. L'autre information, député circonscription Thomas Claes Francis Delacous dit qu'il y a nécessité jeudi pour un remaniement ministériel qui fait dans le cabinet. Ma parlementaire a estimé qu'il y a plusieurs ministres qui peuvent appliquer feuille de route gouvernement Tebayo, ça qui la cause d'un plein dans la population haïtienne. Devant situation ça, député Francis Delacous souhaitait qu'il y a un remaniement qui fait pour président Jovenel Moïse capable de répondre à la promesse campagne qui fait dans la population. On a suivi la précision dans la télévision nationale d'Haïti. Remaniement, président lui-même, il y a une volonté pour capable de faire parce que nous avons un problème avec le résultat du gouvernement. Certains ministres, nous connaissons dans le gouvernement qui n'ont pas de résultat. Nous-mêmes, comme députés sénateurs, nous sentons que nous ne pas sentis à l'aise parce que nous pas atterri vraiment. Donc, c'est parce que nous connaissons pas de résultat et nous avons espéré. Coordination alternative en tête collée avec le groupe Action francophone pour environnement lancé hier lundi 2 avril, 4e édition village alternative. C'est une activité qui peut dérouler ce 6 à 7 avril dans la commune 1 chaque dans bassin Zim. Activité ça a visé réunir plusieurs projets avec le mouvement alternatif local changement climatique, éducation sur environnement, visite guidée, témoignage. C'est diverses activités qui prévoient dans la programmation 4e édition village alternative dans le plateau central. C'est à l'occasion pour plusieurs acteurs dans différents secteurs de la société, avec représentants d'organisations, associations, institutions publiques ou privées réunies pour réveiller la conscience citoyenne sur l'importance de la responsabilité de la préservation de la planète. Malgré ce thème agriculture, 4e édition, ça n'a pas empêché plaidoyer pour stopper production, importation et utilisation de produits en fourmis au campé, d'après président groupe Action francophone pour environnement, David Tillus. À travers Village Alternative, participants et organisateurs sont capables de proposer de nouvelles solutions sur l'énergie, alimentation, gestion fatra et puis exiger l'État à prendre décision sur l'urgence, transition écologique et énergétique là dans le pays. Et 4e édition la permet pour nous capables de consolider le mouvement Alternative. Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, synergie capable de gagner dans 3 éditions qui étaient réalisées. Nous allons vivre ça dans la 4e édition. Parce que y a bien monde, des acteurs qui était là dans deux et première édition qui était faite dans Kesko, troisième édition qui fait dans Saint-Soleil, acteurs ça yo, ils vont descendre pour continuer travail avec collectif Alternativa dans 4e édition. Et ensemble, un ensemble d'actions stratégiques qui a défini sur territoire yo. Côté que monde qui était en Alternativa déjà, monde qui était déjà vive Alternativa déjà, il va témoigner sur qui ça mouvement ça a apporté pour yo, le fait que yo appartenir sur territoire yo, dans organisation yo, la caillou qui ça fait changer. Mouvement citoyen ça qui prend naissance dans continent Europe là pour appliquer résolution qui te prend leur COP 21 hein? Déjà recevoir plus passer 9000 visiteurs avec une centaine d'exposants dans 3 dernières éditions Village Alternative Bayo qui t'est fait 15 COP avec Cité Soleil. Yo recevoir tout 61 initiatives sur environnement avec diverses rencontres avec élus locaux yo. Commissaire Berson Soljo qui a réagi sous dossier disparition journaliste Vladimir Le Gagneur, précisé bureau affaires criminelles au niveau direction centrale police judiciaire a travaillé pour Kounia sous dossier si là. Commissaire Soljo a porté plus précision dans Miko Daline de Rival à Kemouizoulichon Monsieur. Direction départementale de l'Ouest à travers la section départementale de la police judiciaire et appuyée d'ensemble d'unités sous Amdakadi commandement de GPNH par rapport à l'information que nous avons certainement qui t'a fait comprendre que le journaliste a été tué et que Colt a été parti dans Colt ou encore cadavre a retrouvé dans des zones à proximité de Grand Ravine et très rapidement nous avons pris disposition pour que nous sommes capables d'intervenir dans la zone ça au fin
pour nous rechercher et capable de récupérer les cadavres. Donc nous avons des informations déjà, nous n'avons pas joint de cadavres, nous joignons des ossements et puis la police accompagnée de police judiciaire, donc c'est des polices scientifiques, hein, techniciens étaient avec nous. Donc ensemble d'éléments ça, nous prenons, nous récupérons, nous avons un DCPJ, donc police scientifique à la disposition de la justice pour suite enquête. Nous déjà arrivé dans le moment pour nous aller dans l'actualité internationale. L'agent qui nous a annoncé dans différents titres pour nous faire connaître. Environ 200 personnes étaient rassemblées devant le CAI Winnie Mandela dans Soweto après annonce de la Mali président. Sud-Africain Cyril Ramaphosa avec divers ministres et elle rend hommage. Il y a un funérail national déjà annoncé pour 14 avril et qui a venu là avant après gagner une cérémonie qui a fait la date 11 avril là. Oui, voilà, c'est avec dernière information sur le journal Akaba pour maintenant, mais juste avant nous aller, nous rappelons un simple point qui était fait essentiel. Le journal là pour jeudi, après une fois qu'on a ministère communication recevoir hier lundi 2 avril la secrétaire d'État Gré Descendre avec le directeur général d'Egeria, Mira de Molan, sous processus permanent avec déclaration en ligne là. Tout le monde qui a exploité bien l'État, qui n'a pas eu papier légal, a eu une prolongation jusqu'à 30 avril pour aller régulariser yo sous question de droit à fermage avec impôt locatif là dans le DGI. Directeur général impôt, Mirade Morlan, a fait annoncer toujours à lundi 2 avril. Là. Coordination Alternative Haïti dans tête collée avec groupe Action Francophone pour Environnement lancé hier, 4e édition Village Alternative, une activité qui a déroulé sorti 6 à 7 avril là, dans la commune Enchak, dans Bassin Zima. Et puis à l'échelle internationale, nous avons informé pour nous faire connaître le président sud-africain avec plusieurs ministres rend hommage avec ancien Madame Nelson Mandela, Winnie Mandela, après annoncé la Mali hier lundi, une funéraille nationale déjà annoncé pour date 14 avril qui a venu là avant juste avant après gain une cérémonie qui a gain pour fête dans date 11 avril là. Si ensemble pour savoir qu'un pilote qui était fait essentiel journal là pour Martin après plutôt rester branché chez nous là puisque information à rapport sur son thème télévision d'État, nous on a souhaité passer une très bonne journée demain, on a croisé demain matin.